Plus d'une centaine d'élèves infirmiers et infirmières étaient cet après-midi dans les rues de Bastia pour protester contre les cliniques privées. Celles-ci considérant être malmenées par le gouvernement qui tente de trouver d'autres solutions pour ses stagiaires. Ces étudiants ressentent donc une inquiétude devant l'éventualité de ces cliniques qui leur refusent un stage. Le danger, c'est qu'on se retrouve nombreux sur les terrains de stage, que la qualité de la formation soit plus mauvaise et que par conséquent, forcément, les patients seront en danger par la suite, vu notre formation. Pour l'instant, les cliniques de Bastia et de la région bastiaise accueillent encore les stagiaires. Motif, elles ne souhaitent pas pénaliser davantage la formation de ces élèves et disent attendre la suite des événements. Cependant, un seul de ces établissements privés, la clinique de soins et de réadaptation La Palmola, à Aulette, applique depuis le 1er mars cette mesure et ce refus. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'on veut nous priver d'un mécanisme qui profite à toutes les entreprises de France, qui est le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi. Nous en bénéficions comme toutes les entreprises privées, puisque nous en sommes une, sauf que l'État maintenant va nous demander de le rembourser. Lors de cette journée de protestation, une délégation de stagiaires infirmiers a été reçue par l'Agence régionale de la santé, qui a reconnu que la situation était problématique. L'ARS nous a confirmé qu'effectivement, ce serait possible, mais qu'il ferait tout pour ne pas qu'on soit dans une situation qui arriverait à dégénérer. Il va de soi que la réponse du ministère des Affaires sociales et de la Santé est maintenant très attendue.